Bonjour à tous, c'est Alex sur motoblues.com. Je vous présente aujourd'hui le Belbulit, un casque néo-rétro premium aussi beau à voir que bon à porter. Sans oublier l'homologation en tant qu'intégrale. La ligne pure du Belbulit est inspirée. Que l'on aime ou non la forme classique, on reconnaît que le coup de crayon est excellent. Belle est plus que légitime en jouant la carte du vintage. Je vous invite à regarder la finition cuir, l'intérieur des joues, le revêtement et le traitement des aérations. La qualité de fabrication et le sens du détail sont là. Jetons un œil à présent sur le système de verrouillage de l'écran. Un aimant est monté sur cette petite sangle en cuir, tout simplement. C'est classe, pratique et ingénieux. Toujours dans le même esprit, une simple pièce de monnaie suffit pour démonter l'écran. Pas de platine, pas de déréglage et une étanchéité assurée par le joint que vous voyez ici. Cet écran est presque panoramique. La vision intégrale est garantie. C'est un gros atout du Belbulit. Vous pouvez opter pour un écran optionnel bombé appelé Bubble ou encore un autre écran plat. Ils sont proposés en fumé ou en iridium. En tout cas, une chose est sûre, on y voit très bien dans cette intégrale. À noter, pour le choix de la taille, le Belbulit taille grand. Mais une fois que l'on est dedans, le confort prime. Les aérations, discrètes et pourtant très probantes, sont ouvrables par l'intérieur du casque. Pour finir, on apprécie la jugulaire de type double D, gage d'insérage idéal et durable. À noter aussi la possibilité de monter des écouteurs au niveau des oreilles pour les plus connectés d'entre nous. Techniquement moderne, mais d'esprit classique, léger avec ses 1400 grammes, le Belbulit de Bell est une superbe réussite et un bel investissement pour les amateurs de look rétro et d'originalité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur motoblues.com.